Waouh, bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? C'est extraordinaire de vous voir aujourd'hui. Ah, le saviez-vous? Est-ce que vous êtes au courant? Bon, nous allons vous expliquer. Vous savez que depuis le 12 août dernier, nous avons perdu une star. Une star qui est décédée suite à un accident grave. Maintenant, depuis hier, nous sommes en train d'entendre des choses du genre... C'est-à-dire des choses qui... comment vous expliquer même? Est-ce que vous voyez le lieu où il y a eu l'accident là? Voilà. Le lieu où il y a eu l'accident. Les gens ont bien arrangé ce lieu-là. Et ils ont donné un nom à ce lieu-là avec la photo de cette star-là même qui est juste là-bas. Et voici que c'est ainsi là. Bon, hier, on a appris qu'il y a un fou. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment une personne folle, mais on dit que c'est un fou. D'autres disent que c'est peut-être un fan qui n'arrive pas à accepter la disparition de cette star. Mais ce qui est sûr, c'est que voici ce qu'on a entendu. On a entendu que cette personne est allée là-bas et tout saccagé, enlever les fleurs, jeter les fleurs par-ci et par-là. Tout en disant, il n'est pas mort, il est vivant. Un titre de ce genre, il n'est pas mort, il est vivant. Ah, moi que j'ai vu hier, je ne voulais même pas en parler. Mais je me suis rendu compte que les gens commencent à s'intéresser à cette affaire. Et les gens se posent la question de ça, mais qui est-ce au juste? Est-ce que c'est... un fan, tellement fan, au point où il est devenu fou. Ou c'est un vrai fou qui est vraiment venu faire ça. Mais pourquoi dit-il aussi qu'il n'est pas mort? Ce sont des questions que les gens se posent autour de toute cette affaire. Bon, c'est un truc bizarre. C'est un truc étrange quand même. De toute façon, depuis la disparition de cette star, tout est bizarre, tout est vraiment étrange. Et bon, ce qui est sûr, s'il a saccagé l'endroit, s'il a fait des trucs bizarres, et que vous pouvez arranger l'affaire, vous avez la force, vous avez les mains, allez arranger l'endroit. Si vous voulez vraiment que ce soit bien arrangé, puisqu'il y a la route, tout ça, les voitures passent, il faut enlever le flop, le procédé, là où elles étaient. Et puis, avancer, on va tout simplement évoluer. On essaiera d'oublier cette affaire. Que nous voulons pas, nous serons obligés d'oublier cette affaire, de laisser passer. Mais s'il y a autre chose qui est cachée derrière sa disparition, forcément la vérité va se faire sentir un jour. Est-ce qu'il est mort ou pas? Il y a eu trop de choses autour de la disparition de cette star. Donc, je ne peux pas vous confirmer que cette star est partie. Je ne peux pas tellement vous confirmer ça. Sinon, de vous dire de juste laisser le temps s'écouler. Laisser le temps s'écouler. Et seul le temps va nous donner raison. Voilà. Que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous que ce soit vraiment un vrai fou qui soit venu faire ça? Ou une personne qui est juste venue faire des trucs pareils juste pour faire le buzz ou bien pour qu'on en parle? Réagissez aussi, parce qu'il y a beaucoup de trucs bizarres maintenant dans le monde. Depuis que Internet est venu, les réseaux sociaux, les gens sont maintenant prêts à tout faire pour juste amener les gens à parler, à causer, tout ça. À raconter des histoires. À part ça, est-ce que vous allez très bien? J'espère que vous allez bien, que vous portez très bien. C'était ce qui se faisait encore le buzz sur ces stars. Peut-être que si nous avons quelques informations encore, nous vous en parlerons. Voilà. Nous venons de nous réveiller et nous réfléchissons même sur les équipements que nous devons avoir pour travailler. Nous avons besoin d'équipements puissants. Maintenant, je vais vous poser une question. Dites-moi, mes frères et sœurs. Est-ce que parmi nous, il y a des vrais informaticiens?
Il y a des gens qui travaillent dans le domaine de montage vidéo. Si oui, dites-moi, un ordinateur portable avec une carte graphique RTX 2080 et un ordinateur de bureau de la même carte graphique RTX 2080, est-ce que entre les deux, là, un ordinateur portable et l'ordinateur de bureau avec les mêmes performances, avec les mêmes cartes graphiques, est-ce que les deux ont les mêmes performances? J'aimerais savoir si les deux ont les mêmes performances. Si on place un ordinateur de bureau et on place en même temps un ordinateur portable avec les mêmes cartes graphiques, est-ce que les deux vont-ils donner le même résultat dans les rendus de vidéo et montage? Ça, c'est une très grande question. J'ai appelé mon fournisseur. Il m'a donné quelques conseils par rapport à ça, mais j'aimerais aussi voir votre avis, puisque nous sommes en famille et que les vidéos que nous travaillons aussi ici, c'est vous qui les regardez, c'est vous-même qui les partagez. Donc, je pense qu'il est nécessaire que vous nous aidiez aussi dans le choix de nos équipements. Peut-être que quand je serai même prêt à acheter ma voiture, ma première voiture, vous allez aussi me guider, vous allez me donner aussi des instructions. Nous sommes en famille. On se donne ici des vrais conseils. Est-ce que c'est vous? C'est extraordinaire. Si vous aimez, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous avons 32 chaînes. Notre objectif depuis hier est d'atteindre les 100 000 abonnés. Il faut avoir l'objectif de la vie. Ou bien, voilà. Cliquez sur j'aime, c'est bon. Allez sur la page d'accueil, vous allez voir nos 32 chaînes. Abonnez-vous sur notre chaîne, activez les cloches. Et allez voir, l'objectif est là-bas, vous allez voir. Est-ce que nous pourrons arriver à atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Actuellement, moi-même, mon cerveau est presque chargé. Mais je vais me libérer un peu. Et confier tout ça à Dieu. Dieu lui-même a fait le reste. Vous savez que souvent, là, quand vous pensez trop vous-même à des choses, là, à vos projets, tout ça, là, vous vous enfoncez. Hein? Il est préférable de vous décharger en laissant tout ça à Dieu, quoi, donnant tout ça à Dieu, et puis Dieu lui-même va faire le reste. Non, mais je pense que c'est la même bonne idée. Parce que, tu vas avoir beaucoup dépensé. Tu vois le temps de ta vie, tu penses seulement, comment je vais faire pour avoir telle somme d'argent pour pouvoir me construire une maison. Comment je vais faire pour avoir ça? Et tout à coup, boum, on ne souhaite pas, la mort vient, tu oublies même tes projets. C'est-à-dire que tu es parti en laissant tous tes projets même sur la terre. Ce sont des choses même qui font mal même. Moi, ça me fait mal. C'est pourquoi même j'ai décidé même de vivre relax. De vivre relax. Quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, quels que soient la bonne nouvelle, moi, je veux être relax. Je veux juste que ma pensée soit libre. Je veux être libre. Libre de chemin sur libre. Voilà. Parce que j'ai remarqué que dans la vie même où on est là, vanité de vanité, tout est vanité, tout est vraiment vanité. Il y a même une vidéo qui va s'afficher ici, à la fin de cette vidéo. Vous allez voir des conseils des stars qui ont vu des trucs énormissimes, qui vont nous donner des conseils. Vraiment, je suis sûr que ça va nous aider. Qu'en pensez-vous? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Là, je suis dans mon quartier, sur une tournée, c'est parce que je suis ici. Bon. Bon, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Nous venons de nous réveiller. Ça, il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Absolument. Il y aura des vidéos mystérieuses, des trucs bizarres. Bon, déjà, dites-moi, ce que vous avez regardé hier, est-ce que ça vous a intéressé? Déjà, il y a une vidéo que tu étais de faire même le buzz ici sur Instagram. C'est la vidéo où un homme est allé voler le porte-monnaie, le portefeuille d'un vieillard. Mais il ne sait pas que c'était un homme mystique. Dès qu'il a pris le portefeuille, il a voulu l'ouvrir pour prendre l'argent. Si c'est transformé en un serpent. Quoi? Un cobra? Mon Dieu, incroyable, mais vrai. Allez regarder cette vidéo là. Je vais juste dans la caméra du plus. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Dieu va tout faire pour que ce soit parfait et qu'on trouve un cadre plus que parfait pour faire les vraies choses. Pour l'instant, atteignons les 100 000 abonnés et puis tu vas nous aider. Regardez, il y a même du sang même qui est autour de mes yeux. Non, ça va aller. Bon, pour pas vous pour la prochaine vidéo, nous sommes en famille. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés sur Instagram. Félicitations à tous. Et bonne journée. Ceux qui vont descendre, il est presque 18. Il sera bientôt 18, il est 15h42 ici. Voilà.
Que tout le monde soit prêt. Nous sommes en chaud, pas chaud. C'est parti.